Alléluia. Nous allons nous lever. We're going to stand. Pour demander au Seigneur. To ask the Lord. Alléluia. Alléluia. D'abord, nous allons demander pardon pour les péchés que nous avons commis. For the sins that we have. Il faut juste aligner selon la parole de Dieu. Alléluia. Just to be aligned with the word. Parce que consciemment, même dans les pensées, on peut avoir, en une seule seconde, on peut avoir péché contre Dieu. Nous allons demander pardon et nous mettre dans la droiture devant le Seigneur. Rapprochons-nous de son trône de grâce au nom de Jésus pour quelques minutes. Seigneur, nous voici devant ta face. Car tu as dit celui qui a dit qu'il n'a pas péché, qu'il fait de menteur. Oh, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour mentir, Seigneur. C'est pourquoi nous venons en toute humilité devant ton trône de grâce. Pour te demander de nous pardonner nos péchés, Seigneur. Papa, dans nos comportements, dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles, Seigneur. Alléluia. Consciemment ou inconsciemment, nous avons péché contre toi. Et nous avons fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Péché des choses qui ne t'ont pas glorifié. C'est pourquoi, en toute humilité, ici ce soir, Seigneur, unis dans un même esprit, nous te demandons de nous demander pardon, de nous laver dans ton sang, de nous purifier, de nous nettoyer les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Chacun va prier. Avant que je prie de manière détaillée, chacun va prier tout ce que le Seigneur te met à cœur. Si tu penses que tu as demandé quelque chose au Seigneur en 2015 et que jusqu'à présent tu n'as pas encore reçu, l'évangéliste vient de te donner la parole. Tu vas juste prier pour que cela soit manifeste en 2016. Tu ne vas pas demander. Tu as déjà demandé en 2015. Tout ce que tu vas dire au Seigneur, c'est que tu sais dont tu as besoin. Demande à ce que cela soit manifeste. Que ce soit manifeste. Que ça vienne à l'existence dans ta vie. Alléluia. Tu connais ton besoin. Tu connais ce qui te tient à cœur. Considère que Dieu t'a exaucé. Seulement tu lui dis, Seigneur, je veux voir que cela soit manifeste. Alléluia. Et demande à voir et prions. Chacun prie, puis sincèrement pour toi. Seigneur, que tout ce que nous t'avons demandé, Papa, tout ce que nous t'avons demandé, Seigneur, que cela soit manifeste, Éternel. Que cela soit manifeste, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Confirme ta parole dans nos vies, Éternel, Dieu mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu connais les besoins de chacun de tes enfants. Papa, tu connais ce qu'ils t'ont demandé dans le secret, Papa. Dieu, toi qui es le Dieu de compassion, ta main n'est pas trop courte pour sauver, Seigneur. Ton oreille n'est pas sourde pour entendre les ténèbres. C'est toi qui as dit de crier à toi au jour de la détresse, Seigneur. Tu vas nous délivrer et nous allons te glorifier, Papa. Papa, nous te glorifions d'avance parce que nous savons que tu nous as exaucés. Seulement ce que nous te demandons, Seigneur, que cela soit manifeste, Seigneur. Que cela soit manifeste, Éternel Dieu Tout-Puissant. Que les bénédictions de tes enfants, ce matin, soient manifestes, Père Dieu Tout-Puissant. Nous dévançons l'aurore, Éternel Dieu mon roi. Nous dévançons l'aurore dans ta maison ce matin. Pendant que d'autres personnes vont à d'autres occupations mondaines. Père Dieu Tout-Puissant, nous avons choisi de passer plus d'une heure dans tes parvis. Alors que ta parole dit qu'une heure dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que mille ailleurs, Éternel Dieu mon roi. Alléluia. Éternel, toi qui es le Dieu de fidélité, comble tes enfants ce matin. Seigneur, comble tes enfants ce matin. Entends la prière de chacun. Seigneur, entends et exauce la prière de chacun. Et que ce qui t'ont demandé ce matin soit vienne à l'existence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si chacun finit de prier, vous allez lever les mains pour recevoir. Je vais prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit que les promesses que tu as faites à tes enfants, Père, même si cette prophétie tarde, Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'elle attend. Et cette prophétie t'accomplira certainement. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton saint nom, Éternel Dieu mon roi. Merci Seigneur parce que tu leur fais prendre possession. Qu'ils prennent possession de leur bénédiction, Éternel Dieu mon roi. Seigneur, ce voile que tu m'as montré tout à l'heure avant l'église, Éternel Dieu Tout-Puissant, qui était ouvert avec un vent doux et léger, l'Éternel. Tu m'as dit que c'est l'accès dans le lieu très saint. Éternel, l'accès dans le lieu très saint. Et que tu
as dit, Père Dieu Tout-Puissant, que cet accès est garanti à tes enfants. Alléluia. Tu es Dieu l'Éternel. Bénis ton Seigneur pour cette vision. Que cet accès soit garanti à chacun de tes enfants, l'Éternel Dieu, mon roi. Seigneur, tu as dit, gare à l'orgueilleux. Gare à l'orgueil. Seigneur, que tu es esprit d'orgueil qui va empêcher, qui cherchera à empêcher tes enfants de rentrer dans le lieu très saint, de rentrer en possession de la bénédiction. Nous le chassons loin de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous le chassons loin de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'humilité soit notre manteau, Père Dieu Tout-Puissant. Seigneur, donc nous obéissons à ta parole, que ta crainte s'installe en nous, Père Dieu Tout-Puissant, que la bénédiction spirituelle que tu déverses sur nous, Seigneur, découle dans chaque aspect de nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, que tes miracles et tes prodiges nous accompagnent, Seigneur, parce que tu as dit que les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Et nous croyons, Éternel Dieu Tout-Puissant, les mains que tes enfants ont levées, Seigneur, ce sont ces mains-là qui sont levées vers toi pour recevoir de toi, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, Seigneur, et que ta faveur, ta grâce, Seigneur, ta bénédiction en abondance découle sur eux afin qu'ils soient aussi source de bénédiction, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, et vont arracher les âmes perdues, Père Dieu Tout-Puissant, dans le monde et les envoyer dans ta maison, Éternel Dieu, mon roi. Je bénis ton Saint-Nom, Papa. Merci pour la joie divine. Merci pour la paix du cœur. Merci pour la paix d'esprit, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur.